Salut les gars, comment ça va? Hey yo! Je suis avec le dos. Ouais, ouais, ouais. On va s'ouvrir 8 coffrets LDS 3. C'est propre. Et puis bah, let's go. Let's go! Ok les gars, on est sur la prise d'ouverture du premier coffret comme vient de l'indiquer Victor, mais vous allez pas l'entendre puisque c'est pour lui au montage. Donc ce que on va faire, c'est vous présenter le coffret. Regardez comme il est beau. Waouh. Il est tout rouge, comme s'il était un peu timide. Assez mignon, voilà, dodo, on a la magicienne, le magicien, ensemble, le duo iconique. Et je crois qu'il y a des dés dedans. Je crois qu'il y a des petits dés dedans, on va tout de suite découvrir. C'est quoi le dé? Oh, mais ce serait pas un de nos dés préférés, Flo? C'est le dé noir, le dé magicien. Et c'est quoi le titre de la carte? Cercle magique sombre. Wouh, mais qu'il est chaud. Alors regardez ça, on va vous le mettre là. J'espère que vous... Ouh, et pour la promo soldat liquide. Oh, soldat liquide. C'est un de mes héros préférés, je te le dis. Bah écoute, moi je préfère celui qui est solide, mais pas mal non plus. Il existe vraiment? Le liquide? Non, le solide. Ah, ok, super. Bah, je préfère quand même. Très, très beau, très, très beau. On passe tout de suite au premier booster. Le premier boost. Ok, convocation ténébreuse. Résurrection de l'esprit de la terre immortelle. Très gothique pour l'instant. Message spirituel N. Tornade des esprits de la terre. Visage nécro. Très, très, très bonne réédition. Très bonne commune. Killa, le dragon de la lune. Et là, je pense qu'on arrive à l'ultra. Pas encore. Pas encore. Esprit de la terre immortelle ultime. Et là, je pense qu'on arrive à l'ultra. Pas encore. Message spirituel A. Et là, je pense qu'on arrive à l'ultra. Oui. Esprit de la terre immortelle Asula Piscou. C'est vrai que les esprits de la terre immortelle, pas mal en ultra. C'est sympathique. On aime bien les revoir. Oh, Prédaptition en bleu. C'est une vraiment des rééditions qui était attendue, parce que la carte, enfin, il la faut dans Prédaplante. Si tu la joues pas dans Prédaplante, c'est pas un deck Prédaplante. Il la faut, et petit interlude sur les titres, là, on vous précise quand c'est bleu, rouge et jaune. Question importante, c'est qu'en fait, les titres sont faits au niveau des dortoirs de GX. Donc t'as le dortoir Slifer, le dortoir Ra, le dortoir Obélisque. Et ben en fait, ces titres-là correspondent à chaque dortoir de GX. Très bon fun fact. Hyper bon fun fact, merci. Veuillez le noter en commentaire et notez-le surtout sur des bloc-notes parce que c'est important, c'est des vraies infos. Et combinaison des magiciens en rouge. Et noir, je survivrai les défis. C'est pas les bonnes paroles. Exactement. Alors. Hydre Drosophilum Prédaplante. Bien joué. Flash Hero. Fusion Prédaprime. Beaucoup de Préda, là. Kuriboele. Secret de la magie des ténèbres. Acte de poupée. Et pour finir, poupée truquée gigantesque. Ouais, parce qu'il y a aussi un peu de poupée truquée là-dedans. Très bon premier booster. Et on va voir tout de suite avec le deuxième booster. Donc, offrande aux immortels. Esprit de la terre, grand line walker. Résurrection des immortels. Pas mal de... Beaucoup d'esprits de la terre. Hein. Soupae. Vieille carte, à l'ancienne, elle ressort. Encore Esprit de la Terre. La fourmi de feu Ascator, ça revient en force. Il y a le chevalier qui va revenir aussi. Enfin bon, les petits decks, des petits decks Ascator, des petits engines Ascator, ça peut être marrant. Des decks de ton enfance, quoi. Des decks de mon enfance, des decks qu'on aime jouer, des decks quand fun. Quand le jeu n'existait pas encore. Quoi. Tu n'existais pas, tu n'étais pas né. Exactement. Ah, F, on est déjà quasiment sur la totalité du mot. Donc écoutez, une fois qu'on a toutes les lettres, on arrête ce live. C'est bon? D'ailleurs, c'est pas un live. Ok, le guerrier satellite. Voilà, bah écoutez. Très bonne réédition. Il est sympa, il est joli, on l'aime bien. Ouh, Nécrome Sinistre, héros du mal. Ouh, du héros du mal. Oui, parce que pour les gens qui adorent héros, il y en a pas mal là-dedans. Ah bah là, c'est vraiment le coffret pour les personnes qui veulent jouer poupée truquée, magicien sombre, esprit de la terre immortelle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tiens, on enchaîne sur une ultra pour poupée truquée, une numéro C40. Rouge. Pas mal. Petite poupée truquée, on est content de l'avoir. Et après, on retourne sur les communes, maîtrise alchimiste, au-delà de l'âme. Clamiro Solis Prédaplante. J'aime bien cette carte, l'artwork, je trouve très très stylé, honnêtement. J'aime beaucoup. La robe du magicien, pour les decks magiciens. Je vous on dis en là-dedans. Parlait à l'instant. Il y en a à foison. R, justice vertueuse, encore pour les decks héros, hein. Dauphin aquatique néospatien, hein, pour tous les fans de Néos, ça commence.
c'est par ici. Et gratte-ciel, évidemment, là aussi, pour les fans de Neos, de héros élémentaires. Et encore une fois, une carte héros élémentaire, E, appel de détresse. Ok les gars, on peut remercier Vic. Merci Vic encore. Merci Victor. Victor. Ok, du coup, ça c'est les dés qu'on a pu avoir, les 4 dés qui sont affichés sur la boîte. Mais est-ce que c'est seulement les 4 dés qu'on peut avoir dedans? Eh non, petite surprise, regardez un peu ce qu'on vient de taper. Un énorme dé, magicienne des ténèbres. On vous mettra potentiellement le prix au montage parce que c'est quand même le dé le c'est plus violent, à peu près... le plus rare de cette boîte. En plus, mi-sprint. Il est mi-sprint celui-là. Ça, c'est grâce à la chatte à Victor. C'est la chatte à Vivi. Tout le monde la connaît. Elle est belle, elle est grande. On passe au promo? Bien sûr, faisons ça. Alors, on va plutôt ouais, faire une par une. Ok, elfe mystique, foudre blanche, une carte qui, hop là, brille de mille feux. C'est la nouvelle. C'est la nouvelle, regardez-moi ça, un artwork qui nous fait plaisir, l'elfe mystique et le dragon blanc, au même moment, au même endroit. On les avait jamais vus au même moment, au même endroit. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu vrai. Merci de valider ce que je viens de dire. On passe à la deuxième? On passe à la deuxième? Allez, on passe à la deuxième. Ok les gars, deuxième promo, Sunrise, pour tous les fans de héros, pour tous les decks héros. La carte tuto, fusion miraculeuse, parfait. Pour tous les fans de soleil. Regardez-moi ça là, âme de serviteur. Âme de serviteur. Super content de la tirer. Âme de serviteur, incroyable comme carte. Une fois qu'elle est dans le cimetière, on peut la bannir draw 3. Draw 3? Ouais, draw 3. Incroyable. Allez, prochaine. Une des promos les plus chères. Faut dire ce qui est. Faut le dire, c'est important. Trifo Viritum, Prédaplante. La carte valait très très cher, c'est cool qu'elle soit rééditée. Secret Life, Secret, c'est beau. Magnifique, regardez-moi ça. Sunrise encore une fois, on le retape. Bon bah écoutez, hein. C'est rebelote. Planeur du Kaiser, c'est nouvelle carte. C'est une nouvelle, on va tout de suite lire l'effet. Lisons. En quick, elle peut. Vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer cette carte depuis votre main. Et une fois par tour, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. L'attaque de cette carte devient l'attaque actuelle du monstre. C'est fort pour les personnes qui veulent faire un deck un peu Kaiba ou un deck un peu dragon rétro, ça peut être toujours cool. C'est un peu sympa, bon ça cible, hein, c'est un peu le défaut du truc. Et encore une fois, Trifio Verutum près de la plante, hein, qu'on retape. Voilà. Alors, les promos, donc les secrets, c'est celles qui servent à un petit peu rentabiliser votre coffret, c'est... En partie, les meilleures cartes que vous pouvez avoir dans cette, enfin, dans cette extension, dans ce coffret, en ouvrant un coffret. Mmh. Mais bon, je pense qu'on va passer tout de suite au booster pour voir ce que les ultras nous réservent. Passons tout de suite au booster. Allez, j'ouvre en premier. Et j'arrive pas à ouvrir. Putain. Tiens, c'est bon. Allez, c'est parti. Ok. Alors, les communes, on va passer vite. Je vais pas vous mentir que on les a déjà vues. On commence à les connaître. Oracle du Soleil pour la fourmi de feu Ascator. Hein. Ok, numéro C40, poupée truquée. Encore une fois. Ascator. Oh, ben voilà, Ascator, Marchaube, on y vient. Regardez-moi, il est magnifique avec sa fourmi. Là. Et pour finir, combinaison des magiciens. Donc, ça, ah oui, quand même, on ne montre plus les communes. Hein, ça y est, maintenant... Ça, c'est les boosters nuls. Hein. C'est dit, c'est officiel. On ne montre que des cartes brillantes. Que des ultras. Ok, Esprit de la Terre, Maîtrise de l'Esprit Noir, encore Oracle du Soleil, un Sanctuaire des Ténèbres, de la Poupée Truquée, encore un Esprit de la Terre, Esprit Noir, de la Malice, Fissure, Esprit de la... Cyclone Sauvage, Héros du Mal. Voilà, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Pas mal pour les decks héros. Nécrophyre des Ténèbres, la carte un peu aussi mythique de Bakura. Hein. On tient à dire oui, parce qu'il y a pas mal de monstres de Bakura dans cette édition. Et là, voilà, on est encore une fois sur de la Coco. Ça, c'est de la commune qu'on commence à voir et revoir. Ouh, pas mal d'Esprit de la Terre. Nécrophyre des Ténèbres, cette fois-ci avec le titre en doré. Titre jaune, on est bon. Aile Infernale, Héros du Mal. C'est toujours cool comme carte héros. Et pour finir, Cercle Magique Sombre, comme le dé. Le titre en rouge est pas mal. Mmh. C'est toujours cool. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de support pour Gagaga, enfin, un peu de reprint. Pour finir, Justice, Propulseur du Futur, Poursuite Synchro. Moi, ça me fait plaisir hein, d'ouvrir cette édition. Ça me rappelle pas mal de souvenirs, honnêtement. J'ai l'impression de retomber en enfance avec toute cette nostalgie, tous ces héros, les petits gratte-ciels qui tombent. Franchement, c'est des archétypes qui sont sortis il y a déjà un bon moment pour la plupart. Ça fait toujours plaisir de les revoir dans une autre édition. D'autres raretés pour les ultras. Est-ce que Do ne se remettrait pas au cartes Yu-Gi-Oh?
Alors, Visage Nécro, je vous dis, très très bonne commune. Hein. Encore la très très bonne commune Visage Nécro. Hein, c'est une commune dessus qui valait quand même 6-7 euros. C'est toujours cool qu'elle soit rééditée. Toujours sympa. Et oui, non, bien sûr, hein, on va s'y remettre. Moi, je vis de toute façon d'être le champion d'Europe d'ici un an. Je me donne un an pour être le futur champion d'Europe. Et regardez-moi la magicienne des ténèbres qui tombe. Magicienne des ténèbres, j'avoue qu'en titre rouge, j'aurais préféré, mais en titre bleu, elle reste quand même très très belle. C'est pas mal. Oh, âme des magiciens, la carte la plus chère du set. C'est simple. La carte qui est jouée actuellement en méta, mais qui est obligatoire pour un deck magicien sombre. C'est x3 ou? Ça peut être x2. Ça peut être x2, mais la carte est genre trop forte et trop trop belle. Je suis désolé, mais c'est magnifique. La carte est magnifique. C'est un effet un peu ghost. Je trouve ça magnifique. Tout bleu là comme ça, non, c'est beau. Ok, encore de la préda. Hein. On est sur du bâton du magicien cette fois. L'acte des poupées, voilà. Regardez-moi un peu, encore du... Vous allez en avoir beaucoup, hein. Les lettres héros, là, on tombe dessus tout le temps. Ok. Ouh, légèrement miscut. Ah, Noyau d'Ayabon. Ça, c'est une carte que t'aimes bien. Moi, j'aime bien Noyau d'Ayabon. C'est le monstre fétiche de Bakura dans le manga. Et c'est ce monstre-là qui t'éclate les trois autres dieux égyptiens same time. Donc, non, très bon monstre. C'est un historique sympathique pour tous les fans du manga. Ok, il y a du esprit de la terre, encore le message. Alors, je pense qu'on les a vraiment toutes, hein, honnêtement. Est-ce qu'il y a vraiment un deck qui peut marcher avec? Je pense qu'un deck fun peut marcher avec, mais il faut vraiment être déterminé à perdre 10 parties sur 11. Résurrection des immortels, Tornade des esprits de la terre, Impératrice Arc Démon, hein, j'aime beaucoup cette carte. Ah, petit défaut d'impression là, ici. Je sais pas si vous le voyez à l'image, mais il y a deux bandes horizontales là qui viennent strier la carte. Bon, ça peut arriver. Ah, on n'était pas tombé dessus. L'apprenti magicienne illusion. Il la faut dans le deck magicien. Il la faut absolument, en effet. C'est plutôt cool. Elle, on peut l'aspect depuis notre main en défaussant une carte. Donc, plutôt sympathique. Encore, putain, c'est pas mal hein, pour le deck magicien, ça. Je pense qu'avec une display, on peut se faire le deck héros, le deck prédaplante et le deck magicien pratiquement complet. Ouais. Pour des petits decks fun, petits decks rétro, je pense que ça peut être vraiment cool. C'est des cartes qui tombent vraiment tout le temps. Hein. Ils ont fait l'effort de faire tomber les archétypes régulièrement dans ces boosters. Et voilà, après on repart hein, sur du héros, regardez. On tombe sur E, signal du héros et H dans la foulée, la robe du magicien, le gratte-ciel. Regardez-moi ça, en un booster, on a déjà 6 ou 7 cartes héros qui peuvent servir dans le deck. Et démon malveillant, esprit de la terre immortel ultime. C'est vrai que les esprits de la terre immortelle tombent vraiment énormément. Ouais. Bah, quand on parle du loup. Résurrection des immortels. Oh, c'est fou. Bah, non, mais c'est fou. Chaku. Ouh, la magicienne en ultra. Ça fait plaisir. Titre doré, on aime ça. Oh, oh. Allez, la troisième. En rouge, en rouge, en rouge. Ah, prodige infernal, ça aurait été marrant quand même. Dommage, ça aurait été fou. Magicien Gagaga, Dimension Pendule, Dodo Nain, ils ont toujours des noms compliqués. Hein. Ouais, les Gagaga, Go, c'est abusé quand même. Ouais, faut pas être dyslexique. Navigation des magiciens, sursaut, ouais. Hydre. Du bon préda. Il nous reste déjà plus que 3 boosters pour ta part, moi 2. La maîtrise de l'esprit noir, qui là encore une fois, encore un esprit de la terre, la sentence de mort. L'artwork, elle aurait été en secret, elle aurait été incroyable. Ouais, incroyable. Moi, j'aime beaucoup cet artwork. Regardez la table de Ouija, là. C'est assez sympathique. Inti, dragon du soleil. Ok, assez marrant. Dans la même booster, on a eu Killa et Inti. Encore esprit de la terre, esprit de la terre, esprit de la terre. Regardez-moi ça, c'est magique. Ah, hors la loi synchronique. On l'avait pas encore eu. On l'a pas encore eu, en effet. Bon, bah, c'est une carte qui a été rééditée, franchement, à peu près 1 million de fois, Flo. Ouais, je sais pas, je crois que ça, la première fois qu'elle est sortie, ça doit être 5DS2 ou 5DS1, tu vois, un truc comme ça. Ok, bon. Vieille carte pour les decks synchroniques. Hein. Ouh, Néos de loyauté, c'est un honnête pour les decks héros. La carte, elle est incroyable. Ouais, je la trouve folle aussi. Bon, titre bleu, c'est un peu dommage. Mais... Ah, bah voilà. Bah tiens, nickel, rouge. Je la voulais en rouge, c'est nickel, on est bon. Et voilà, là, on est sur du Kuribo, acte de poupée, les poupées, encore haut, du Préda, le dauphin aquatique. Face à l'avant-dernier booster pour ma part. Ah, j'espère avoir une petite âme des magiciens. Une petite chiméra pour le deck Préda Plante. Ou encore, encore une autre Préda Practice. Oh, les messages spirituels.
Encore un visage nécro. C'est bon. Bah, on a le playset, visage nécro, c'est vraiment une bonne commune. Magicien, maître du chaos. On l'avait pas encore eu, je crois. Non, on l'avait pas encore eu. À l'époque où elle est sortie, c'était quand même une très bonne carte hein, pour un sacrifice. 2400, son effet est pas trop dégueulasse. Donc, non, c'était assez cool de l'avoir à l'époque. Bon, maintenant, ça sert plus à grand chose techniquement, mais toujours sympa de la revoir. Une magicienne des ténèbres. Je crois qu'il nous manque qu'un titre, mais je suis pas sûr. Le rouge. Pour finir, ouais. Nécrophyre des ténèbres. Ça, c'est une carte que t'aimes bien. Ouais, on l'aime bien. Les cartes de Bakura, de toute façon, moi, je suis un grand fan de Bakura. C'est le grand méchant du manga. Flash Hero. Dans Yu-Gi-Oh, peu de gens le savent. Navigation des magiciens, dauphin aquatique, sursaut pote artiste, et pour finir, signal du héros. Et on met encore sur l'âme du magicien, ce serait fou. Bon, bah, le tableau de la destinée, hein. Spectrozoma, hein. Sympathique comme carte, hein. C'est un peu l'ancêtre des cartes comme Conky ou Wakero pour Edlish, hein. Message spirituel. Supai. Inti. Ah. Il est relou, lui. Il est relou. Ok, encore Esprit de la Terre. Hein. Ah, regardez-moi cette carte. Gernia, on l'avait pas encore eu. Gernia, petit monstre zombie. On l'avait pas eu, en effet. Non, c'est cool, c'est une carte qui revient sur le terrain. Je vous lis l'effet. Hein. Une fois par tour, durant votre prochaine stand-by phase, après que cette carte face recto que vous contrôlez a été détruite par un effet de carte de l'adversaire et envoyée au cimetière, vous pouvez la réinvoquer spécialement depuis le cimetière. Donc c'est sympa, c'est un monstre qui reviendra un peu toujours. Très sympathique. La combinaison des magiciens. Hein. Magnifique. C'est une carte qui tombe quand même pas mal. Elle tombe souvent. On l'a eu déjà 2-3 fois, je pense. Et Ascator. Ascator, que j'aime beaucoup. E, appel de détresse. Grand magicien ébène. On l'avait pas eu, je crois, celui-là en commune. Je crois que c'est la première. Mais voilà, il y a le grand magicien ébène hein, dans l'édition. Prédaplan. Action souriante. Axel synchronique. On passe au dernier booster pour moi. Le dernier. Moi, je sens l'âme des magiciens. L'âme des cartes. Ok. Fusion des ténèbres, esprit de la terre immortelle. Après un peu de poupée truquée, esprit noir du bannissement, l'âme malveillante, hurlement, ok, robot convertisseur. On l'avait eu celui-là ? Ouais, on l'a eu une fois déjà. Ah, ok, robot convertisseur. Tu penses que c'est possible d'avoir le titre en rouge ? Allez, on veut le dernier titre en rouge. Oh, j'y ai cru ! Nécrome sinistre. Un peu déçu, je vais pas te mentir, ça fait 2 fois que ça me le fait, moi ça commence à être chiant. Quoi. Ouais, moi aussi, j'espère que dans ce booster, on va tomber sur 3 fois la même carte avec 3 titres différents. Parade de poupée, Dragostapelia, propulseur, fusion miraculeuse, dimension pointue, les prédaplastes. Hein. Et le dernier booster, devant vos yeux, ébahi. Vic, tu peux nous apporter les âmes de magicien, s'il te plaît? Alors, cavalier squelette d'Excalibur, Jogen le Spirit, ça aussi vieille carte hein, qui ressort dans cette édition là, c'est assez sympa. Sniper infernal, héros du mal, l'oracle du soleil, message spirituel, ma carte préf de l'édition. Je la trouve pas forcément jolie, hein, c'est juste tout ce que ça représente pour moi. L'histoire qu'elle a. C'est magnifique. Cercle magique sombre, on adore, elle est indispensable dans les decks magiciens sombres. Apprenti magicien illusion, est-ce que la dernière ce serait pas une âme? Victor, c'est le moment de nous ramener la carte. Victor, ramène la carte, fais ça en loose day. Préadaptation. Oh, âme des magiciens, oh, yes. Victor, tu feras ça au montage. Non, préadaptation, en vrai, très bonne réédition, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Prédaplante, signal de ferraille, justice vertueuse, le dauphin et la poursuite synchro. Eh ben, on a pris plaisir. C'est vrai que c'était trop bien quand même, c'est une super bonne édition. Ah non, mais en moi plus... j'ai vraiment juste pris du plaisir à être avec toi, Flo. Bah écoute, moi aussi. Bah écoute, tu fais quoi ce soir, mec ? Je mange chez Victoria à manger. Ah, moi aussi ? Oh putain, trop bien, on se retrouve parfait. Là-bas. À ce soir chez Victor. Ok les gars, skippez pas cette vidéo, Vic nous a dit de vous dire que vous pouvez retrouver ce coffret sur Card Market, sur notre site. Vous avez vu toutes les super rééditions qu'il y a quand même. Abusé. C'est qui le plus gros stock sur Card Market en France? Je pense que c'est nous. Wouh! Quelle ambiance. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux. Tous nos réseaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat. Et tout plein de réseaux dont on ignore le nom. Les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ou peut-être que ça va donner des petites idées de deck profile au niveau de Préda Plante. Ah, petite idée, ouais, on a quand même sorti pas mal de Préda, donc je pense que Flo se fera un malin plaisir de vous présenter une superbe decklist. Les gars, on se retrouve à la prochaine, bisous. À la prochaine, doi doi.